parler d'environnement. Bon. Les poissons dans les rivières, ils mangent, puis ils respirent l'eau. Ben, l'oxygène à travers l'eau, évidemment. Et là, il y a une équipe internationale de chercheurs qui s'inquiète. Et ils disent qu'il faut trouver des solutions plus vertes pour les cours d'eau. En fait, le problème, c'est qu'il y a toutes sortes de médicaments qui se retrouvent dans l'eau. Pilules contraceptives, antidépresseurs, antibiotiques, des médicaments contre le cancer, des drogues aussi. Et la liste des médicaments est très longue. Mais les concentrations, au bout du compte, quand il y a beaucoup de gens qui jettent ça à l'eau, ça fait qu'on se retrouve avec des poissons qui ingèrent tout ça. Et ça a un impact sur leur santé, mais aussi leur comportement. Médicaments, par exemple, poissons, par exemple, qui sont les antidépresseurs, tout va bien, mais ce poisson-là ne va pas se défendre quand on va l'attaquer. Émilien Pelletier, professeur émérite à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Bon, c'est un vrai problème, ça, la pollution par les médicaments et autres drogues des cours d'eau. Oui, c'est pas nouveau, là, c'est pas récent. Ça fait au moins 20 ans et plus que ça a été mentionné, que ça a été découvert, qu'on avait pas mal de médicaments et d'autres drogues dans l'eau. Ça a été mentionné à Montréal en particulier, en aval de Montréal, après les systèmes d'égouts. C'est dans la plupart des grandes rivières du monde, hein. Où il y a beaucoup de population, la Seine, le Rhin, les grands fleuves du monde, on trouve pas mal de choses provenant des hôpitaux, provenant des individus. Qu'est-ce que ça a comme impact sur les poissons, par exemple? Bon, l'impact semble être chez les poissons seulement, à tout le moins, ça n'a pas été vu chez d'autres espèces, là. Oui, les perturbateurs endocriniens, comme on les appelle, là, ça regroupe plusieurs de ces médicaments-là. Ça peut effectivement avoir des effets sur le système reproducteur des poissons. Ça peut effectivement féminiser certains poissons, certaines espèces de poissons. Ça peut, vous avez dit tantôt, là, bon, ça les rend tranquilles, ils ont l'air bien, là. Oui, ça peut les rendre moins réactifs à leur environnement. Et effectivement, ben, s'ils ne sont pas réactifs à l'environnement, il y a toujours un prédateur qui va peut-être en profiter. C'est un peu ce que ça fait, là. Dans des rivières, où est-ce que c'est qu'on a des niveaux de pollution élevés, là? Ces médicaments-là, ils viennent aussi des déchets, les gens qu'on jette, etc., c'est ça? Ouais. Non, ils viennent du pipi. C'est ça que je me demandais, oui. Quand on ingère un médicament, notre système ne métabolise pas l'entièreté du médicament qui nous est donné, que ce soit à l'hôpital, que ce soit chez soi. Et donc, on va uriner, on va excréter ces médicaments-là dans les toilettes et ça va aller dans les eaux usées. Et comme mentionné dans l'article, il y a un grand nombre de systèmes qui ne sont pas capables de traiter, de retirer ces molécules-là. Il faut se souvenir que ces molécules-là, ils sont, comme on dit, ils sont solubles dans l'eau. Ce n'est pas des particules, donc c'est soluble. Ça passe à travers les filtres, ça passe à travers tous les systèmes de traitement, même les traitements très avancés, là, avec des bactéries et tout. Donc, voilà, ça se retrouve dans les rivières. Ouais. Et quand il n'y a pas de traitement des eaux, c'est encore pire, évidemment. Bon, là, le problème, évidemment, c'est qu'on ne peut pas empêcher les gens qui sont malades de faire pipi. Alors, comment on règle ce problème-là? Comment on s'attaque? Très grave problème, et depuis longtemps, la question s'est posée. On ne peut pas, par exemple, dire « Ah, ben là, on va prendre moins de médicaments ». Quoique le dosage est une partie de la solution, c'est-à-dire que les médecins le savent, d'ailleurs, dans les prescriptions, il ne faut pas surdoser. Donc, déjà, si on en métabolise un pourcentage un peu plus important, ça va en faire un peu moins. Il y a des solutions, mais il n'y a pas de solution facile à une telle chose. Parce que ça veut dire, on va changer les médicaments, on va cesser d'utiliser des antidépresseurs. Ben non, là, du jour au lendemain, ça ne peut pas se faire aussi rapidement. Il y a peut-être des approches, bien évidemment, il y a des approches dites des approches douces, réduire les médicaments et puis après une approche où il y aura moins de médicaments. Ouais. Mais il y a beaucoup de médecins qui sont d'accord avec ça aussi, mais il y a toujours là la difficulté de faire ce passage vers une réduction des médicaments. Ça réduirait certainement dans les rivières et aussi la sophistication des traitements des eaux. L'article de la presse mentionnait 80% des eaux usées dans le monde ne sont pas traitées ou très faiblement traitées. C'est tout à fait bien documenté, ça. Même chez nous, il y a beaucoup de systèmes de traitement des eaux qui ne sont pas très avancés, qui sont assez primaires. Ce sont des vraies questions. Émilien Pelletier, donc professeur émérite à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Fort intéressant, même si ce n'est pas rassurant. M. Pelletier, bonne journée à vous, là.
Merci, au revoir.